On est actuellement dans les rues de Takayama, un petit Perdu. village. Ouais, vraiment perdu, je vais vous En mettre sur la plein milieu carte. du Japon. Et du coup, on va, suite à vos nombreux messages, tester plein de produits locaux du Japon, des produits qui nous donnent plus ou moins envie ou pas. Qu'est-ce qu'on pense? Moi, je ne suis pas forcément chaude parce que c'est la tête du produit, moi, qui me donne envie de manger ou pas. Donc, si Voilà. on choisit des produits qui me donnent pas forcément envie de manger, j'ai pas forcément envie de goûter. Ben moi je vais choisir des produits pour toi et toi tu vas choisir des produits pour moi alors. Mais toi, tu manges tout, t'aimes tout. Ben ouais. Ok, on fait ça. On fait ça. C'est parti. Choisis-moi ça pour moi, s'il te plaît. Tu commences à inventer. Ah, j'adore. Je crois que je vais lui prendre ça. Ça m'a l'air bizarre, on dirait des haricots. Mais en même temps au chocolat, je sais pas, c'est chelou. Je sais pas ce que c'est, ça m'intrigue, c'est beau, c'est joli, c'est mignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Du poulpe séché, du poulpe. Ben ça c'est très très bizarre. Ça aussi, hein, c'est des scallopes grillées, donc des noix de Saint-Jacques grillées, mais on dirait des crevettes grillées. Ça va goûter. Ensuite, dans les boissons, je vais lui faire goûter un truc. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air intriguant. Ça m'a l'air pas dégueu, hein. C'est des quoi, des petits beignets de poisson, je sais pas ce que c'est. On va tester ça, je crois aussi. Hein. Tiens, Lisa. Marqué quoi? Ouvre. Oh non! Tu vends ça? Et ouais? Comme ça? Et ouais? Ah, des BD et tout carrément? BD nu. Le BD5, top! BD5. J'ai l'impression de me retrouver au Seine hier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une glace dans une crêpe. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une barre de matcha. Et on va finir par une touche sucrée. Ces petits bonbons là. On dirait des piles. Booster piles, ma foi. Voilà. Et là. Des petits trucs au kiwi, on dirait des, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. On va tester ça. Hein. Je crois qu'on est pas mal là. Hein. Je suis dans le magasin, il y a plein de trucs. Et c'est compliqué de choisir les choses, de me dire peut-être qu'il aimera ou il aimera pas. Parce que c'est vrai que lui, il mange tout. Donc voilà. Donc là, par exemple, je vais prendre ça. Alors ça, c'est super bizarre. Je sais pas du tout ce que c'est, mais on va goûter. Enfin, j'ai pas trop envie de goûter, moi. Ça aussi, alors je sais pas ce que c'est. C'est très bizarre. Je sais pas si c'est des petites chips ou... On va voir. Je vais prendre également ça. Je sais pas, on dirait de la patate douce. Celui-là, vraiment, je le crains. Ah là là, comme je le crains. Je mange pas du tout ça, impossible. Alors, des petites chips. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Prendre ça, hein. Non, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je prends aussi une boisson, bien sûr. J'ai vu celle-là qui était un peu chelou. Je sais pas trop ce que c'est. Ah bon? Je lui fais un kiff. Ça, je crois que c'est un Pokémon. Enfin, je sais pas, en tout cas, je le connais pas. Mais il a une tête de Pokémon. Je vais prendre ça. Alors, je sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas de dessin. Et quand t'as pas de dessin, c'est compliqué. Mais on va goûter. Ça aussi, c'est chelou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez, je lui fais un autre kiff. Je prends des, je sais pas quoi, Pokémon. Là, ceux-là, je les connais, donc je suis sûre de moi. Je vais lui prendre celui-là aussi. On trouve un peu de tout. Plein de trucs qu'on connaît pas. Bon, Kit Kat, ça, on connaît, donc pas la peine. Mais voilà, le trois quarts des choses, c'est des choses qu'on retrouve pas trop chez nous. Pas prêt, t'es pas prêt. On va voir si le bouton est bouton. À tout moment, on a pris des trucs similaires. Hein. Peut-être qu'on a pris les mêmes choses. On va voir si on est bon. Allez, je t'attends dehors. Shopping terminé. On va voir, il va goûter tout ça. J'en ai eu pour 1500 yens. Je crois que ça fait une dizaine d'euros. C'est pas très excessif. Mais j'espère qu'on va bien rigoler. Moi, au total, j'en ai eu pour presque 2000 yens, ce qui fait entre 12 et 13 euros. Allez, direction la maison, on va à notre ryokan. Comme ça, on va tester tout ça ensemble. Et je vais lui faire une blague. Je vais retirer l'étiquette puisque j'ai pris du spicy. Et je vais lui faire croire que c'est des épices d'ici. Je suis arrêtée dans la rue pour retirer l'étiquette. Du spicy, alors ça c'est spicy, mais je veux pas qu'il le voie avant. Trop beau, on est avec notre sac de shopping bag, pleine de surprises. On s'est pas montré, hein. Il sait pas ce que j'ai pris et je sais pas ce qu'il a pris. Voilà, on a fait notre shopping chacun de notre côté. Ça va être vrai. Pour avoir de plus jolies surprises, je te réserve des belles choses, mon amour. Ouais, moi aussi, que des choses d'amour. Moi aussi, que de l'amour. Avant de commencer la dégustation, il enfile son kimono, moi j'ai enfilé le mien, voilà, on est au top, on est dans le thème. Je vous mets le petit code promo pour Gilor qui est notre marque de produits cosmétiques à base d'or 24 carats, made in France et qui est vraiment génial. Donc profitez du code promo juste là.
Tu commences ou je commence? Vas-y, je commence. On attaque sur des chapeaux de roue ou on attaque genre gentil? Non, t'attaques comme tu veux. Sucré, salé? Pour commencer, je vais commencer par ça. Tu vas... Je vais te faire un kiff parce que je t'aime et parce qu'on est au Japon. Donc je t'ai fait un vrai kiff. Voilà, tu vas m'aimer. Tu commences par me faire goûter du sucré? Du poc, oui, on va garder meilleur pour la femme. Je commence par du sucré. Ouais. Donc, ok. Donc, c'est. Donc, c'est une compote de pommes Non, je sais pas, c'est du Pokémon. Je sais pas ce que c'est, mais c'est du Pokémon. Bon, si c'est du Pokémon, c'est que c'est bon, hein. Ah, ben, tu vas peut-être te transformer. Tu vas peut-être évoluer en. Ah. C'est pas bon? Il y a des morceaux gélatineux dedans. Mais non. Il y a des bulles. Arrête, c'était un kiff pourtant. En fait, c'est. Goûte. Non. Si, si, goûte. Je vais pas me transformer. Non, non, mais goûte et tu vois, il y a des morceaux bizarres. Je suis déjà assez transformée par la chirurgie, tu connais. T'as eu des morceaux ou pas? T'as eu des morceaux ou t'as eu juste le jus? Ah, je m'attendais pas à ça. T'as eu des morceaux? Goûte, juste là que t'as des morceaux. Ah, voilà, t'as eu des morceaux là. Ouais. T'as vu, c'est chiant ça. C'est pas trop mal, je t'ai mis bien quand même. C'est sucré quand même, c'est chimique, hein. Ah oui. Mais bon, il y a Pokémon donc allez, on valide. Ah moi je vais commencer par le salé, je te respecte, tu fais d'abord salé après sucré. Non, je te respecte pas. D'accord. Alors moi, tu vas goûter ceci. Ceci, alors je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être des petits... Tiens, débrouille-toi. Mais c'est de la viande? Non, je crois que c'est du poisson, il y a des poissons dessinés dessus. Et quoi, tu m'as appris des trucs de poisson? Non, j'ai du poisson. Du poisson en filet bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. C'était pas écrit comme ça sur le truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, je croyais pas que ça allait ressembler à ça, je pensais que c'était des longs... On dirait des nuggets de poisson. Froide? Et je sais pas. Oui, froide. Bon, il faut toujours goûter avant de dire rien. Derrière, il y a un trait noir, c'est chelou. C'est bon? Je sais pas. Oui, je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas horrible, genre, c'est pas mal. On dirait un poisson pané froid et ouais, fin. Voilà. Ouais, voilà. En fait, on dirait du poisson pané. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, c'est bon. C'est vraiment un drôle de snack. Genre, jamais on aurait acheté ça, quoi. Pas mal. Je valide le poisson pané. Moi, je t'aimais bien. Je valide. Je finis pas, mais je valide. Je finirai tout à l'heure. Bien sûr, on va pas gaspiller, je vous rassure. Tadam ! Je sais pas ce que c'est. Voilà. On dirait des espèces d'insectes... On dirait de la peau de serpent. Ah non, c'est horrible. Physiquement, ça, moi, mais, je ne mangerai jamais ça. Mais il n'y a aucune indication de non, ce que c'est. Non, il n'y a pas marqué. C'est surprise. Teste, goûte et tu verras. On dirait des ongles. Tu sais les ongles, les gens qui laissent les ongles pendant longtemps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On dirait ça. Ah oui, c'est vrai. Ça me dégoûte. On dirait vraiment des ongles. Ça me dégoûte. Celui-là, c'est que je crains tous. Donc tu dis que tu vas vérifier. Non, mais c'était une blague. Tu sais ce que ça sent? Non, je peux pas. Avant, j'avais des poissons rouges à la maison. Et t'as vu la nourriture des poissons rouges? Elle a une odeur? Ouais. Ça. On est d'accord, ça sent le... Ah, ça sent le poisson. Ça sent la bouffe des poissons rouges que tu mettais comme ça, tu sais là? Les copeaux. Ça se mange, t'es sûr? Je sais pas. Mais je pense pas que ça se mange, hein. Mais c'est une dinguerie à manger. Mais c'est pour les poissons, je pense, hein. Mais non. Mais je te jure, je crois que tu m'as pris un truc pour les poissons, c'est pour nourrir les poissons, hein. Ça se mange pas. Mais non, il y a un bonhomme qui est content dessus. Mange, tu dois le manger. Non, mais ça se croque pas. Ça se croque pas, ça. Ça se mange pas. Mais non, ça mais se je te mange. Jure, ça se mange pas. Ça doit être de la bouffe de poisson, chérie. Regarde, il y a pas un mec avec une canne à pêche. Non, tu vas le manger. Avec... Prends le traducteur. Il y a un mec avec une canne à pêche dessus, chérie. C'est pour pêcher, là. Tu m'as donné du truc pour pêcher, mais je crois. Mais non, c'est pas pour pêcher. Il y a un bonhomme, il est content dessus. Ça se mange pas. Ça se mange pas. Bah, garde-le comme ça. C'est peut-être des bâtons de réglisse que tu gardes pendant longtemps et tu dois manger. Ah, peut-être. Ah, on dirait une pâte, on dirait... Ça a le goût de la boue de poisson, voilà. Mais je pense pas que ça soit pour les mais humains. Mais si, je l'ai pris dans le rayon manger. Je l'ai pris dans le rayon. Bon, bah écoute, je peux pas manger. Essaye. Non, je sais pas. J'essaye pas. Essaye. Je peux pas essayer. Non, mais juste que tu comprennes, ça. Y'a pas de goût, y'a pas de goût. Je peux pas comprendre, je comprends. C'est bon, goûte. J'ai compris. Goûte, fais-le, un micro, un micro. C'était mon panier. Un petit hamster. Pour le goût. C'était mon panier. Pour le goût. C'est mon panier pour toi. Les chouilles. Je veux pas. Ok, à moi. Donc ça, c'est pas validé. Ça valide pas du tout. Ah, celui-ci, on va faire. Mais moi aussi, c'est de la bouffe de poisson. Non. Si, c'est du poisson. Pourquoi il y a des tentacules dessus? Bah parce que c'est. Mais toi, tu m'as pris que du poisson. C'est du poulpe. C'était bizarre. C'est normal, au Japon, le Japon, il mange.
Tiens, poulpe. Mais j'aime le poulpe. J'aime le poulpe. Ah bah justement, mange-le. Oui, snack. Mais je. Pardon. Mange-le en snack. Ah, carrément, ça va donner la chair d'ampoule. Ah, regardez, ouais. J'ai senti. Chair d'ampoule. Ah. C'est des petits chips. Non, mais je l'aime, mais pas en chips comme ça. Là, c'est un snack. Celui-là, il est mieux, il est rond. Mais quoi, non, mais c'est quoi ce croc là? Mange. Je goûte d'abord. C'est pas bon, mais c'est pas. Si, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Enfin, c'est pas. Mais finis ça, par contre, il n'y a pas de jougoute, tu manges. Toi, t'as pas mangé le. Je peux pas, ça ne se croque pas. Ça moi me... non plus, ça mais ça ne se mange pas, tu vois pas que c'est des os, c'est des os, c'est des arêtes, ça, c'est sucré un peu là. Hein. Non. Ah bon, bref, c'est bon. Allez, j'ai goûté. Suivant. Ouais, t'as goûté vite fait, hein. Si, j'ai goûté, regarde. Ah, ok. T'as craché vite fait aussi. T'as craché. Non mais y'a pas de ça, sinon c'est trop facile. Allez, mais c'est bon, j'ai goûté. Non, il faut avaler. J'ai mâché aussi, j'ai avalé. Non, t'as rien avalé, t'as craché dans le blanc. Je le récupère, hein, c'est dingue. Vas-y. Je veux plus jouer avec toi, t'es nul. Ah, mais voilà. Tu le récupères vraiment. Non, ouais, tu es chelou. Je vais tout simplement te donner ça et te laisser découvrir ce que j'ai. Je sais juste qu'il y a 74 calories et c'est tout ce que je sais. Voilà. 74 calories, c'est écrit dessus, c'est des bonbons, c'est quoi? Bah je sais pas, c'est des orions nourriture, c'est pas de la boule de poisson, c'est là. Le tu problème, c'est que tout est écrit en japonais, donc du coup tu peux pas essayer de... Il y a pas d'anglais, il y a rien. Oh là là, pareil, ça sent le poisson encore. C'est quoi ça? T'es sûr que ça se mange ça? Mais j'ai pris tout, je suis pas allée dans une poissonnerie, hein. T'es allée dans un... Non. Ça se mange pas, c'est le même truc. Mais si ça se mange, arrête de dire ça se mange pas. Sur la tête de ma mère, regarde, essaye de mâcher ça, je t'en supplie. Non, ça se mange. Essaye de mâcher ça, c'est terrible. Mais si c'est orient nourriture, ça se mange. Mais t'es pas allé dans une animalerie, toi? Non, regarde, regarde, essaye. Non, mais moi, tu vas pas. Tu n'as pris que des trucs qui se mâchent pas. Essaye. Ça ne se croque pas. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Ça se mange pas. Ça se mange pas. Voilà. Pourquoi il y a des trucs qui se mangent pas ou ils ont mangé alors? Bah si, il y a un chat qui dort donc c'est bizarre. Ah c'est pour un chat? Je sais pas. Ah oui, il y a un chat qui dort. Il y a un chat et un chien quand même, hein. Je crois que depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure tu me donnes des trucs pour les poissons, pour les chats et pour les chiens en fait. Arrête, c'est vrai. Je pense que c'est un truc pour chien, tu m'as donné un truc pour chien. Il y a des chats dessus. J'avais tu m'as donné de la bouffe de chat. J'ai goûté moi aussi. Voilà pourquoi ça se croit pas. Non, parce que voilà, nous on n'est pas fait pour ça. Deux fois en trois trucs, hein. Il y a que le truc de Pokémon qui est passé, tout le reste c'est de la bouffe pour les animaux. Tu me respectes pas. Il y a un chat, il y a un chien. C'est de la bouffe d'animaux. Tiens, 74 calories de quoi? Je pleure. Mais mon dieu, mais pourquoi tu fais à côté des Kit Kat? Ben parce que Kat, justement. Non, il y avait Kit Kat, il y avait les vrais, après il y avait ça. Bon, et ça c'est de la bouffe d'animaux. Alors ça, on dirait des gros haricots. Non, mais tu l'as pris dans quel rayon, du coup? Ben je sais plus. Haricots. On dirait des haricots mais dessus il y a écrit choco. Là il y a écrit de l'anglais, il y a écrit choco. Ah, donc tu vois je t'aimais bien. Donc, mais j'aime pas le chocolat. Tiens. Ben justement. Tu vas tester le chocolat japonais, le peut-être que t'as le chocolat japonais. Ben non. C'est peut-être des haricots au chocolat. Ok. Oh là. T'as vu? Ça se croque. Ça va, ça leur allait. Entier, c'est des petits trucs. C'est bon? De ouf. Mais non. Oh, comme c'est énervé! Non, c'est grave bon! Oh, on dirait. T'as vu? Comme un petit croustille de. Comme c'est une cacahuète au chocolat. C'est oh, ça, c'est vénère! Ça, c'est grave bon! Ça! Oh, ça, c'est énervé! C'est moi, c'est toi qui m'as offert pour moi! Ouais, c'est vrai! Ouais, mais! Encore, c'est une nourriture de. C'est... Mais tu m'as pris que des trucs d'animaux? Tu m'as encore pris des. Tu as fait les courses comment? Non, ça, c'était dans un autre rayon! Mais ça, ça se marche pas, je suis sûr et certain! Il y a encore le même bonhomme! Le bonhomme, en fait, t'as pris le même bonhomme, regarde, c'est lui! C'est le même! Non, lui, il fait du hula hop! Non, c'est encore le même gars du haut. Non, mais c'est bon ça, parce que je l'ai pas pris dans le même rayon. Je te jure qu'on mange des trucs d'animaux là. Je l'ai pas pris dans le même rayon. Oui, mais c'est quand même le même bonhomme, la même marque, la même marque pour non, les produits animaux. Je l'ai pris dans le rayon de celui-là. Et celui-là, c'est ça, donc ça, c'est bon. Voilà. Mais ça va pas se mâcher encore, je le sens, tu vois. Oh. On dirait. Ça, c'est pour les crocodiles, c'est... je sais pas ce que c'est. On dirait de l'ananas séché, c'est de l'ananas séché ça. Eh ben alors, c'est de l'ananas, pourquoi tu manges pas? Parce que c'est pour les animaux. Non. Bon, allons-y, traduisons. Voilà. Calamar séché. Ah, voilà. Calamar séché, fabriqué en Chine. Bah,
Quoi? Bah, je pensais que c'était fabriqué au Japon. Ceci est pour les ours ou pour les crocodiles? Non, c'est pas vrai, arrête! Mais comment, ils ont des dents de... Non, c'est des oreilles de calamar. Confiserie familiale. Oreilles de calamar, tu bouffes, tu manges. Mais ça ne se croque pas. Ça se mange, tu le gardes dans la bouche. On continue la vidéo, ça tu fais ou croque. Ils ont des dents de fer ici, c'est pas possible, je te jure, ça se croque. Non, j'ai déjà testé, tu vois, je t'ai pas donné de la bouffe de poisson. Par contre, l'autre là-bas, il y avait quand même un chien et un chat dessiné, donc celui-là, je donne le bénéfice du doute. Tiens, on va rester dans la merde. Oui. Voilà. Grillette scallop strip. Donc ça, c'est des c'est des mots de Saint-Jacques, on dirait, mais sur le dessin, on dirait des crevettes. Hein. Je sais pas. Qui mange ça? Toi. Non. Bah alors, tu le manges entier? Non, tu le mets dans la bouche, entier. Tu le mets dans la bouche, ben. Si ça se mange pas, tu fais comme moi, tu l'enlèves. Croc. Ça sent pas très bon, hein? Ben non. Ça sent mauvais. Ça pue. Ça se mange pas non plus. Je pense qu'il mastique ça pendant une heure comme un chewing-gum. Ah voilà, donc ça doit être une technique japonaise où ils mettent... Ils mastiquent et ils ont le goût du truc. Je peux pas. Je t'ai pris ça. Alors, je sais pas ce que c'est parce qu'on dirait de la patate douce, mais autour, on dirait du chocolat. Donc, voilà. C'est chelou, ça. C'est des olives. Mais non. C'est des olives. Oh, des olives dures aussi. C'est des pierres, c'est des cailloux. T'es sûr que je vais pas perdre une dent, là? Non, bah, va doucement. C'est bon? J'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas. Je crois que c'est bon, mais en même temps, c'est pas bon. Ah bon? On dirait du beurre. Du beurre? Et là, il y a un goût de beurre qui m'arrive. T'as vu? Ah ouais. Tu l'as le beurre? Ah oui, j'ai le beurre. C'est chelou, non? Ah non, j'aime pas la fin. T'as vu la fin? Ah, la fin, c'est du beurre. Ah, j'aime pas du beurre. Ah, beurre, hein? Beurre, hein? Ah, horrible. Top, hein? Celui-là, je le sens super bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Celui-là, il est pas magnifique? Eh ben, je sais pas. Justement, ça m'intrigue. Tu vas me dire. C'est un truc à faire cuire, ça. Hein? Non, c'est un truc à manger maintenant. Non. Il y a marqué dessus en japonais, je sais lire le japonais. Non, il y a écrit manger maintenant, vite. Non, il y a marqué 500 watts ou 1500 watts. C'est au micro-ondes que ça se met. Non. Si, si, quand tu as marqué ça, ça veut dire que tu dois mettre au micro-ondes. Non, si vous désirez, il y a marqué. Non, je mange pas. Si, tu manges ça. Pas du tout, je mange pas ça. Si, tu crois que ça. Mais regarde s'il y a des watts dessus, s'il y a des watts ou des poils, ça veut dire faire. Non, watts, il n'y a pas écrit watts, il y a écrit. Si, 500 watts ou 1500 watts. Wagyu, il y a marqué watts. Il y a écrit Wagyu. C'est la watt que je préfère, c'est la watt. Non, je vais descendre en bas à la réception, te le faire chauffer pendant des secondes. Si, je vais y aller après. Allez, je te mets bien. Ça a l'air d'être bon, ça. C'est des petits trucs au kiwi, mais en même temps, on dirait des espèces de petits bonbons comme dans Harry Potter, ouais, tu sais. Ça a l'air d'aller. J'aime bien les fruits, j'adore. Ouais, c'est pour ça, tu vois, je suis gentil quand même. Je prends un verre. Alors, ça. Oh, putain, ça sent bon. Tu vois. Ah, oh, tu veux des gracilus. Ça ressemble à des petites billes comme ça. Donc, évidemment, je prends un rose. C'est grave bon. Mais ouais. Ça tue sa mère. Oh, ça pète sa mère. Non, c'est énervé. Trop bon, les gars. Bon, on va finir ça tout à l'heure. Tu fais que dire que t'as grave soif, du coup je t'ai pris ça. T'as grave soif, quoi? C'est du jus de tomate? Je sais pas, il y avait des légumes, il est vert, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Non, dis-moi. C'est très bon. C'est bon? Bah, c'est du jus de tomate bizarre un peu. Il est chelou, non? On dirait du sucre, on dirait du jus de tomate sucré. C'est pas bon, hein? C'est dégueulasse. Ouais, c'est nul. C'est horrible. Non, mais je voulais que tu m'as dit, écoute. C'est une horreur. C'est horrible. Horrible. C'est nul. Nul. Allez, on va partir sur la boisson, toi aussi, prêt? Non. Vu que t'étais inspiré. J'ai de l'eau. Regarde, Strong Zero Dry. Ça, ça a l'air énervé pour toi. Strong Zero Dry. 196 degrés. Ça sent bon? C'est bon? C'est de l'alcool, c'est de l'alcool. Oui, ça j'avais vu, il y avait que 9% dessus. C'est de l'alcool. Je voulais pas que tu le vois. C'est pas bon? C'est de l'alcool. Ouais, c'est 9%. Pas bon, c'est de l'alcool, pas bon. C'est dégueulasse. Allez. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, je suis défoncée. Ah, c'est horrible. Je peux plus continuer du coup. J'ai marqué 9% en gros. Oui, je l'ai vu. Non, mais je l'ai vu, je te cachais la vérité tout simplement. Tu me donnes de l'alcool, il est midi. Je t'ai pris ça. Voilà. Putain, c'est encore le même bonheur. Non, mais parce que vous savez pas, j'ai vu un petit micro, un petit monsieur chanter, je me suis dit c'est pour mon chanteur. C'est pas encore le même bonhomme que tout à l'heure, lui? Non, ça se mange. J'ai pas pris dans le rayon. Mais chérie, c'est des pâtes qui se font cuire. Non, ça se fait pas cuire. J'ai regardé. Je suis pas bête, moi. Je regarde s'il y a marqué Watt et tout. T'es sûr que c'est pas les petites. C'est pas les petites. Non, c'est pas les vermicelles. Oh, ça a l'air dégueu. Bah, je sais pas. Oh, c'est des chips de vermicelles, on dirait. Ah
Ah ouais? C'est bon? C'est très bien. Mais non, tu veux goûter? Ah bon? Très bon. Je sais pas ce que c'est, on dirait de la gélatine. Ça me plaît pas du tout. Au matcha. Spécialité d'ici. Ah, ça me dégoûte. J'aime pas la gélatine. Je sais. Déjà, et la pâte d'amande et la pâte de fruits. Eh ben ouais, bah tu vois, c'est déjà, de base, c'est quelque chose que je déteste. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est neutre. C'est juste. C'est juste. Ça existe. Ça va. Donc, je sais pas ce que c'est. J'ai vu qu'il y avait un peu du lait dedans. En même temps, c'est un peu des biscuits carrés. Donc, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? On dirait de l'omelette mélangée avec du bambou. Oh, ça me plaît déjà. Bah. Ça me plaît. Visuellement, ça me plaît, tu vois. Ça brille un peu. Il y a du lait qui gicle. Ouais, non, ça m'a l'air bon. Ouh, l'odeur me plaît aussi. Je suis pris au pif. Ouais, oh putain, ça a bon, ça sent la coco. L'odeur me plaît, ça. Ça sent la noix de coco. C'est pas bon. J'allais dire c'est bon. Mais ça l'est pas. Mais ça l'est, mais à la fin, il y a encore ce goût de beurre. Ah ouais? Ouais, le goût. Non, mais... Tu vois, là c'est bien, coco moi, bien. Coco. Après beurre un peu, moyen, et après ça revient bien. C'est ascenseur émotionnel, non? Goût de beurre quand même. Ouais, t'as vu? Mais il y a quand même, c'est pas trop mal. Mais c'est pas mal ça. Ah, celui-là, c'est mon préféré pour toi. Regarde comme il est mignon. Regarde comme il est beau. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Ah ouais, ça a l'air bien. C'est joli, ça, non? Il y a des paillettes et tout, ça me plaît. Ouais, tu vois? Il y a des paillettes. J'adore les paillettes. T'as pas besoin de tout. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de la biberine, non? Ah, c'est de la biberine. Du coup, tu crois que ça part? Ben, la biberine, oui, forcément. Attends, non. Attends, il doit... Je goûte lequel? Non, mais je pense qu'il y a un mélange qui doit se faire, en fait. Non, je pense pas. Si, il y a un truc à faire. En fait, non, ça se met dans de l'eau. Ça. Ah, mais ça se met dans de l'eau, en fait. C'est du sirop de biberine. Ah oui. Ça se met dans de l'eau. Non, mais celui-là, c'est de la chimie. C'est quoi? C'est carrément, on dirait qu'on est à Poudlard. L'eau, attends, c'est dans quel trou? Dans le gros trou. Oh. Ok. Ensuite, il y a marqué qu'il faut mettre le verre. Ok. Non, mais qu'est-ce que c'est? C'est un délire. Un peu de verre. Ok. Ensuite, on touille. Ouais, ok, t'es sûr? Ouais, ouais, après on met le rouge. Ça sent un peu quelque chose. Ça sent le citron là, non? Ah, c'est chouette. Non, par contre, c'est bizarre, il y a un problème. Il y a une couille dans le piano, c'est pas comme ça, je pense. Donc, il faut mettre le rouge, ok, après le vert. Rouge. Et c'est quoi ce délire? Oula. Oula, ça commence à devenir solide. Solide? Ouais, ça commence à être épais. Dis quoi? De mettre le bleu. Ok. Et après le noir. Ah, il y a un noir aussi? Ouais. Oula. Par contre, moi j'ai pas trop. Ah, c'est mignon. C'est quoi? Ah, oh, ok. C'est trop chou. Mais là, on dirait vraiment un médicament que t'as fait par contre. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait. Bon, je sais pas si ça doit ressembler à ça le résultat, je crois pas. Non, c'est pas ça sur le dessin. Bon, t'es bien beau, hein? Sur le dessin, c'était joli. Il y avait des paillettes, des machins. On dirait vraiment la texture de la médicament. Je me suis créé une friandise et qui est pas trop mal. Ah ouais? Ça a le goût de goutte. C'est pas trop mal. Je pense que je l'ai mal fait. Ça va. Ouais, ça va. C'est drôle. Ouais, vas-y un peu quoi. Non, tu vois, en fait, tu veux plus, mais tu veux quand même. Tu vois? Ouais, il y a un délire. Hein? Bon, on valide. Ouais, on valide, sûr. Bon délire pour les enfants, ça fait une activité peinture. Tiens, on va rester dans les desserts. Et on va manger cette pizza crêpe, glace. C'est une espèce de glace pizza crêpe. Je sais pas ce que c'est, mais comme t'aimes les crêpes, je pense que tu vas aimer, non? Mais je pense qu'en fait, il faut la glace. Non, elle est dedans, la glace, elle est comprise dedans. Ah, ok, d'accord. Sors là. Non, je peux pas, c'est du liquide. C'est un truc à liquide, du liquide à l'intérieur. Non, il y a une crêpe. Non, il n'y a pas de crêpe, il n'y a que la glace. En fait, c'est la glace que tu mets dans la crêpe. Ah. Ils n'ont pas vendu la crêpe avec. On s'est fait arnaquer. Ah, mince. Oh, du coup, c'est une glace, quoi. C'est pas une glace. C'est quoi? C'est du liquide avec du goût de caramel, je crois. Et des bouts. T'es sûr qu'il n'y a pas de crêpe? Mais c'est des gros mythos. Là, il y avait une crêpe, genre. Il n'y a pas de crêpe. Mais bon. Oui, c'est bon. Ça, on valide. Ouais, c'est bon, ça. Ça, c'est... je sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas du tout de dessin. J'ai vu le packaging, c'était des bandes vertes et oranges. Et je me suis dit, why not?
Oui. Ah ouais, ça t'indique rien du tout de... rien du sur ce que c'est. Ah, rien. Je sais pas si c'est du chocolat, du fromage, de pommes de terre. Ça, c'est pas vraiment chocolat, quoi. Il faut casser. Ah, tu sais ce que c'est? C'est quoi? C'est des trucs japonais. C'est tu sais quand on prend les gâteaux apéritifs japonais, là, des trucs comme ça là? Ouais, genre. Ah, tu c'est ça. Mais ouais. Tu pourrais mettre le dessin sur le paquet. Bah oui, tu dois connaître. Ouais, très bon. Tu sais, c'est des trucs comme... grave bon. Mmh. C'est pour ça qu'on dit japonais, parce qu'il vient du Japon. Trop, trop bon. Alors ça, c'est des bonbons, ils m'ont intrigué. Parce qu'il y a des piles dessus et il y a un éclair. Donc à mon avis, ça c'est un bonbon que tu prends. Et tu es rechargé. Ouais, et dessus, il y a écrit Boost Bites. Donc Boost Beat. Tu devrais en prendre du coup. Oui. En gros, les Boost Beat pour te booster la bite. T'en fais pas marrant. Non, c'est nul à chier. J'arrive pas à l'ouvrir le Boost Beat, ça commence mal. Qu'est-ce que t'arrives à ouvrir toi? Ma gueule. Tu l'as pris au rayon sexuel ou pas? Non, je l'ai pris au rayon normal, au rayon chien-chat, le même que toi. À un moment donné, t'es allé dans un rayon, tu m'as ramené un livre avec des femmes nues. Est-ce que tu as pris dans ce rayon-là? Non. C'est un bonbon. À tout moment, la vidéo est finie en sextape. Quoi? Eh ben, j'ai plus rien moi à te donner. Moi oui. Oh oui, on garde bien pour la fin. Celui-ci. C'est Monja Snack with Sauce, c'est des Monja. Ah, je sais pas. Monja. J'ai trouvé que c'était chelou d'apparence. C'est bon? Écoute, ouais. Ça... c'est bon. C'est très bon même. Ouais. Ouais, c'est bon. On dirait comme des vermicelles. Ouais. Mmh. Avec une petite sauce. Dans le rayon épices, c'est des épices d'ici. Donc... c'est des épices, c'est piquant? Non. C'est avec ça qu'ils cuisinent, qu'ils mettent sur leurs aliments. Ça pique? Non. Si, si, ça pique? Non. Si, ça pique, carrément. Ça pique? Ouais, ça pique un peu. Beaucoup? Ça pique un peu. Un peu? Ça monte, hein. Ah ouais? Ça monte beaucoup. Oh! C'est du piment? Non. C'est du piment? Ça pique? Bah ça pique, ouais ça pique là, ça se calme un peu. Mais ça va, je mange épicé moi donc bon, même Ça pique? Ouais ça pique un peu ouais. Tu vas aller aux toilettes après? Non mais c'est le piment. Oui. Ah voilà. Bon. Mais oui. Ça va. Ça va. Ça va. Je lui ai demandé le plus fort qu'il avait, il m'a oui, dit mais, c'est ça. Mais moi je mange épicé hein. Moi ça aurait arraché pour moi, je mange pas du tout épicé. Ah non, toi par contre. Bon, et du coup, après le piquant, je vais te faire un kiff, un petit Pokémon. Voilà, c'était le dernier. Oh. C'était après le piquant, après avoir subi, mais je pensais que t'allais transpirer et tout, je suis dégoûtée. Ça, c'est monté, après c'est redescendu, non? Oh, c'est une gaufrette. On voyait pas à travers ce qu'il y avait, on savait pas, c'est surprise quoi. Tu savais pas si c'était des bonbons ou. Une gaufrette. Une gaufrette. Bon, ça doit être cool. Oh. Bon. Une gaufrette. Ne bouge pas! Tu te transformes en Pikachu. Elle est bonne, hein? Ouais, ça va. Bon, bah écoutez, le meilleur, c'était ce petit truc au chocolat. Ouais. Ce petit truc au kiwi, c'était incroyable. Il y avait des petits gâteaux. Ça, les vermicelles, c'est bon. Les ouais. Ça, non, c'est... ça, c'est le truc japonais. Ça, les vermicelles, c'est bon. Voilà, tout le reste, c'est de la boîte d'animaux. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Tout le reste, c'était pour les chats et les chiens. Le bonbon, comme ça, le Boost Beat, il est bon. Les épices, elles étaient bonnes, hein? Ça c'est bon là, ça va aussi là-bas. Ah oui, les voilà. Les trucs au final, hein. On a les trucs de poisson, c'était quand même vraiment pas mal. Il y a quand même pas mal de trucs bons. La bibrine ça, aussi. Ça c'était bon, la bibrine, bon, le mélange, je l'ai mal fait, je pense. C'est quand tu regardes en fait. La glace, elle était très bonne aussi. Bah, tout manger en fait. En fait, on aime beaucoup de choses. Voilà. Donc, goûtez avant de vous juger à la tête. C'est la base. Allez, on va continuer notre petit dessert et puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.